another one. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Another one. C'est ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien, les gars. On se retrouve dans l'arène, comme d'hab, les gars. On aime l'arène, on s'entraîne tous les jours. Non, je rigole, j'ai pas le temps, mais on s'en fout. On est là pour le Tuto do Brasil numéro 2, l'édition 2, épisode 2, comme vous voulez. En tout cas, cet épisode, j'ai décidé de vous montrer un petit dribble sympatoche que j'ai appelé le Snake Skill. Pour ceux qui ont compris déjà ce que ça veut dire. J'ose espérer que vous avez compris, ou du moins la signification, ou le pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'est à cause de ceci, le petit zigzag, tu vois, c'est... On avance comme un serpent, allez, on avance comme un serpent, j'aurais pu l'appeler Orochimaru, tu vois ce que je veux dire, Orochimaru, t'as compris, ou Skillmaru, non je rigole, vous avez un petit peu compris le délire. Le Snake Skill, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour le faire. Si tu y arrives, déjà, rien qu'en regardant, bah franchement, tant mieux. Tant mieux. De versus Patahen en disant que c'est pas nécessaire, machin et tout. Il y a toujours des gens qui ont besoin de dribble. Alors, je tiens à dire que ce dribble, c'est pas parce que je lui ai donné un nom qui m'appartient. Tu peux l'avoir fait avant moi, je m'en tartine le fion. Tout ce que je sais, c'est que, et je l'ai dit dans ma premier épisode, je vais simplement vous montrer les dribbles que je fais le plus et vous expliquer comment je procède pour les faire, quand est-ce que je les fais, etc. etc. Parenthèse terminée, j'ai pas envie d'en dire trop, vous m'avez... dit que je parlais beaucoup trop, et c'est vrai que quand je fais un tuto j'ai tendance à vouloir trop parler parce que j'ai tendance à me dire que c'est pas assez ce que je dis, donc voilà, désolé, je vous fais mal à la tête avec mes petits crochets. En tout cas, le Snake Skill, je vais m'y attarder maintenant, hein. Déjà un grand merci et un grand big up pour les retours sur le premier tuto qui vous a fortement plu, le petit dribble du Brésil, tu te rappelles, le petit dribble du Brésil, tu t'en rappelles, hein, ouais, tu t'en rappelles. Bon, en tout cas, un grand merci pour les likes, etc., franchement ça fait plaisir. Donc aujourd'hui le Snake Skill, j'espère que vous avez kiffé la petite intro façon montage, pas très monté, mais voilà, c'est un petit délire. J'espère que vous avez kiffé, et puis voilà, et je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement. Alors je sais pas trop comment l'expliquer réellement, si ce n'est vous montrer, vous dire sur lequel touche j'appuie. Je vais plutôt vous dire vraiment les moments où il faut vraiment utiliser ce dribble. Je pense que pour moi mon préféré, ça restera devant le goal, parce que c'est le moment le plus improbable. Alors j'annonce, j'avais fait, je pense que c'était une vidéo avec Tony où je l'avais fait et le gars a sauté dans le vent. Donc c'était un peu ça l'action. Donc je venais comme ça et alors c'est à ce moment là où c'est le plus violent. Parce que tu fais la feinte, le gars saute et puis t'as plus qu'à pousser, tu vois ce que je veux dire. Et je me souviens que ça avait fait beaucoup d'effets, c'était bien marrant, c'était bien drôle. Mais ce Snake Skill, voilà, il est kiffant, je vous le montre en version lente. Donc du coup, je vais le faire plusieurs fois, ça va venir. Je vous dis sur lesquelles touches j'appuie, forcément dérapage, tu l'as vu. Un petit coup de frein, l'accélérateur c'est normal, sinon t'avances pas. Et alors le plus important, le boost les potes. Le boost comme ça, ça feinte l'adversaire, ça lui donne une indication. Il se dit, ah, il est en train de booster, il arrive. C'est le moment d'y aller. Et si en plus vous êtes en train de venir comme ceci, mais que c'est une feinte, alors là les gars, il doit sauter parce que obligé, il va croire que vous allez la prendre. Et n'importe qui veut tenter le contre, ou surtout quand la balle est un peu cadrée, ou qui sait que votre crochet va faire que la balle va se cadrer, il va obligatoirement sauter devant la balle dans le sens où il va vouloir la contrer. Malheureusement pour lui, bah c'est une feinte, et c'est comme ça qu'on joue avec les cerveaux, et ça arrive à tout le monde, hein, je dis ça, je dis rien. Donc, alors, je vais vous le montrer encore une fois, tu mets un petit coup de frein, comme ça le feinte un peu plus, et puis après t'as plus qu'à finir. Et c'est pour ça que je dis que devant le goal c'est le plus stylé, parce que c'est improbable, et deux, elle est déjà cadrée, donc moi je fais ça, mais elle est déjà cadrée, donc si lui il saute, bah moi je, comme un enfoiré, bah moi je laisse juste la balle rentrer, tu vois, en mode, ouais c'est bon, c'est maîtrisé, tu vois ce que je veux dire, c'est juste pour faire le beau gosse. Bah c'est tout, écoute, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, je vous ai un peu montré le délire, je vais pas trop m'attarder, je le montre encore une dernière fois. C'est vraiment ce...
Tu vois, c'est ça là. Ce petit truc, il faut pas se retourner. Parce que sinon vous allez être mal mis pour récupérer la balle. Et les gens qui se prennent des feintes, ils ont tendance à bourriner juste après. Et je dis ça, c'est souvent des 2v2, 3v3. Je vous jure que les mates ils viennent en mode hey, t'es fou, tu marques ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc toi tu viens comme ça, petite feinte avec un petit coup de frein. Comme ça tu sais reprendre direct. Le petit coup de frein c'est vraiment pour se remettre droit, tu vois. Parce que regarde, donc là je vais venir vite. Donc là je fais mon crochet, le petit coup de frein comme ça je reviens droit. Le petit coup de frein comme ça je reviens droit. Je sais pas si vous avez un peu compris. Ça va quand même rentrer. Vous avez un peu compris. C'est pas plus compliqué que ça. Le dribble il est pas compliqué mais faut y penser, c'est tout. Faut le faire et faut le placer au bon moment. Donc voilà, n'oubliez surtout pas le petit crochet du Brésil qui peut se faire également. Après ou avant ce dribble. Tu vois, ça peut être un truc comme ça, tu vois. Genre tu viens comme ça. Tu crochettes. Et puis là tu fais genre tu fais un crochet. Bang, il saute dans le vent et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto super court, j'essaie de faire court et d'écouter vos petites recommandations du style tu prends un petit peu trop de temps à expliquer et c'est vrai que je prends du temps. Donc là, voilà, j'essaie de faire court. En tout cas, j'espère que le dribble va vous servir. N'hésitez surtout pas à m'envoyer justement les snake skills en vidéo. Franchement, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, on se donne rendez-vous tout simplement au prochain tuto, à la prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Tout simplement. Est-ce que je vais faire un match? Je pense. Est-ce que je vous montre déjà le prochain dribble que je voulais vous montrer? Allez, pourquoi pas. Ça va être un peu des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce truc-là? C'est ça que je veux vous montrer. Voilà, c'est tout. C'est genre le hop et hop. Laissez un like si vous avez kiffé ce petit tuto. Moi, ça me fait plaisir. C'est dribble que j'aime faire. Je vous montre simplement ce que je sais faire. Comme si t'étais à l'école. Tu fais un tour du monde. Tu montes à ton pote. Tu fais un tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Je parle vite. Wouh! Je sais pas pourquoi je parle tout vite comme ça. Bon, tu m'as compris. Donc, les gars, à plus dans le bus. Dites-moi tout simplement si vous avez kiffé. Si vous avez des conseils, etc., etc. Dans la description, toujours. Si vous avez envie de vous payer des clés. Et c'est fortement recommandé. C'est pas cher. Et c'est livré assez rapidement. IG Vault. Moi, je vous dis ciao. Ciao bye. Yo. Another one. Peut-être sur la fin j'ai un petit peu de mal mais c'était trop violent, c'était beaucoup trop violent. Ce reboost. Ah bah là il a pas compris je crois. Putain, puis heureusement que t'étais là. She gave me a kiss and then she gave me my ticket.